Tu fais ça tous les jours? Je devrais. Un grand modèle, un petit modèle. Petit, s'il te plaît. Christiane, pourquoi tu ne me partageais pas ça la nuit du 28 décembre 2015? Tu ne m'as pas appelée. Non. C'est ta fille qui m'a appelée. En ce temps-là, je ne savais pas demander de l'aide. J'ai appris à demander de l'aide. J'ai commencé à le faire en mai ou en juin 2016, mais... Je demande tellement pas de l'aide que ça aussi c'est un apprentissage que je dois faire. Non, Christiane, j'ai un problème avec toi. Est-ce que tu sais que ça s'est passé, je n'ai pas réalisé que j'étais une femme battue? Oui, mais tu étais en danger. J'ai même pas réalisé que j'étais en danger. C'est ça le pire. Je m'en suis même pas rendu compte. J'étais sûre que j'allais gérer. Et puis pour moi, tu prenais les enfants, c'était le plus important. J'ai même pas réalisé que j'étais, honnêtement. J'ai pas réalisé. Et même quand mon inconscient ou mon subconscient essayait de mettre la sonnette d'alarme, je mettais tout de suite le couvert là-dessus. Honnêtement. Une femme au foyer, c'est une femme qui ne travaille pas. Et c'est péjoratif. Tout le monde dit qu'elle est à la maison, qu'elle ne fait rien. Donc, on doit avoir un travail ou une source de revenus, d'une manière ou d'une autre. Pas seulement pour ne pas être une charge pour son mari, mais on doit l'aider. Une femme, c'est celle qui aide son mari. Et fait que moi, je suis arrivée à la conclusion que ça, c'est ma conclusion à moi que... La femme fait tout et que le mariage, oui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur pour l'homme, le pire pour la femme. Oui, comment ça va chérie? Ça va. Wow. Ça fait un bail, hein? Oh, c'est le sac d'une maman, là, on transporte plein de choses. Mais c'est normal, toute la maison est dedans. C'est ça. Et mon beau, il est là ou bien il est au pays? Il est là, mais dans son coin. Dans son coin, je suis dans mon coin. Finalement, on est rendu à... Vous êtes à deux adresses différentes. C'est ça. Tu sais, je n'étais plus capable. Je suis à la justice. Moi, je suis allée prendre Ali à la garderie. Je vais à l'école, je vais chercher Naël et Latifa. L'école me dit que non, papa est passé prendre Naël. Il a laissé Latifa. Je l'appelle, je lui dis, mais là, comment ça se fait que tu te rends à l'école de tes enfants, puis tu fais un tri? Ça, là, c'est la chose qui m'a le plus choquée, là. Comment tu peux aller... Tu prends le garçon. Oui, tu prends le garçon, tu laisses la fille. Ah, mais je t'ai dit qu'on devait faire un choix entre les enfants. Je dis, mais je t'ai jamais dit que j'étais d'accord pour ce choix-là. Fait que moi, je vais chercher mon enfant. Je me rends chez lui, je sonne à la porte, Naël ouvre la porte. Est-ce que tu peux prendre tes affaires en rentrant à la maison? Le temps que Naël rassemble ses effets, monsieur est arrivé. Dégage de ma porte. Je dis, mais là, je ne suis pas chez toi. Moi, je suis devant la porte, tu me donnes mon enfant. L'enfant descend, on s'en va. Non, ah ben là, tu vas devoir appeler la police aujourd'hui parce que tu vas partir. J'ai dit, non, moi, je ne bouge pas. Je suis là, tu vas me... Mon enfant, tant que je ne l'ai pas avec moi, je ne pars pas. Aussitôt, on a commencé avec les coups. Les quoi? Dans les coups. J'ai eu un œil enflé, la lèvre fendue. Parce qu'il m'a dit de se quitter devant sa porte, j'ai dit je ne bouge pas. Il faut demander justice. Tu demandes justice.
Je te jure, ça là, je ne peux pas oublier. Ça, elle m'a aidé à clarifier les choses. Quelqu'un a posé un acte, moi j'assume les conséquences et je porte le poids. Mes enfants souffrent de ça. Oui, c'est vrai. Moi je veux protéger mes enfants, mais ce qui se passe au final, je suis en train de les exposer. Je pense que je vais gérer, mais je me suis rendu compte qu'il est ingérable. Et lui, il sait que moi, je veux un père pour mes enfants, que je veux essayer de calmer. Et il joue là-dessus. Latifa, elle me pose la question, est-ce que maman, est-ce que tu es prête à retourner avec papa parce que papa va être plus gentil? Parce que le pire qui est arrivé là, c'est que le jour où il me frappait, Naël était en haut chez lui, la porte était ouverte, Naël voyait. Latifa était dans la voiture avec moi, elle aussi elle a vu. Fait que elle, elle est rendue au fait, ok, on va dire à papa d'être plus gentil avec toi. Est-ce que tu es prête à retourner parce que moi je vais vivre avec toute ma famille? Puis ça, ça vient te chercher. Ça vient te chercher vraiment... très très loin, c'est comme si tu te sens responsable d'avoir brisé ce lien-là avec leur père. En termes de douleur puis d'engourdissement dans la main, est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, là j'ai plus de douleur. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai plus ici. OK. Vous pointez de petits doigts. C'est plus là, comme ça. Et puis, j'ai la douleur toujours ici, tout le bras, tout le côté gauche, là. OK. Puis votre coude. Le plus loin possible. J'arrête ici? OK. Je fais ce que je fais. C'est bon. Ça vous fait pas trop grimacer, finalement? Ça fait mal, mais c'est correct, oui. OK. Date de la vente qui était le 19 mai. $33 Ok, ça donne combien de consommation pour l'année? 112 000. Ouais, ça donne 100. Ça me rappelle quelque chose de mon enfance aussi avec ma mère. Écoute, tu sais, quand on était jeune avec ma mère, mon père, moi aussi, j'ai vécu la même histoire avec mes parents qui se sont séparés et le père qui démissionne là, parce que maman a eu l'audace de le quitter. Puis, il ne donnait pas un sou. Puis, elle, un jour, écoute, c'était pas mal difficile. Là. Tu sais, l'histoire du riz avec de l'huile, du sel, du piment. Oui. Hey, écoute... pour nous, c'était un festin, là. C'est quand tu grandis, tu te rends compte que, oh mon Dieu, elle essayait juste de joindre les deux bouts, là, avec ça. Mais nous, quand on avait ça, oh mon Dieu, on n'est pas obligé de se taper le taux habituel. Et tu sais que c'est ça qui t'a permis de tenir ici? Écoute, ben oui, c'est ça. Parce que non, quand je pense à tout ce que ma mère a traversé, je dis, je ne ferai jamais comme elle. Elle avait 6 gosses, moi j'en ai juste 3. J'ai pas le droit de démissionner. Je dois faire face. Je me suis coupé les cheveux parce qu'en ce moment-là, j'avais senti la nécessité de faire le ménage dans ma tête. Pour moi, c'était comme couper mes cheveux. Ça aérait ma tête. Et mon ex n'avait pas beaucoup aimé ça. Puis, il n'a pas aimé parce que nos critères de beauté en Afrique, une femme, ça doit avoir les cheveux longs, il faut les entretenir et
Une femme qui a les cheveux coupés, c'est une femme qui se néglige, qui n'est pas capable de s'occuper de ses cheveux. Or, les cheveux, c'est une grosse partie de notre entretien, de notre beauté, de l'image qu'on projette. Et quand une femme donne l'impression qu'elle se néglige, elle ne s'occupe pas d'elle, ben, ça se répercute sur l'homme. On se dit que l'homme n'est pas capable de s'occuper de sa femme, de lui donner de quoi faire face aux frais pour s'occuper des cheveux, parce que c'est aussi un budget. Puis aussi, mais pour lui, sa femme se néglige, elle ne se met pas en valeur. Et c'est mauvais pour son image à lui. Dans ma tête, il a fallu d'abord déconstruire ce que lui, il avait mis. Mm-hmm. Avant de pouvoir retrouver ce que moi, je veux ou j'aime. Même après l'accident de mon bras, il m'a fait comprendre que mon bras était devenu un prétexte que j'utilisais pour ne pas faire les tâches ménagères. Et j'étais convaincue qu'il avait raison. Et chaque fois, j'en faisais plus. Et chaque fois, il en demandait plus. Mmh. Il te reproche de ne pas avoir fait le ménage. Tu fais le ménage, il te dit que tu n'as pas cuisiné à temps. Tu cuisines à temps, il te dit que tu sais qu'il n'aime pas tel repas. Tu lui fais le repas qu'il aime, il te dit que ben, aujourd'hui j'ai tel problème de santé, tu sais que je ne peux pas manger ça. Mais c'était un alcoolique. Et moi je détecte vite l'odeur de l'alcool. Je suis très sensible en fait aux odeurs. Ce qui fait que quand il a pris ne serait-ce qu'une bouteille de bière, tout de suite, son haleine me le dit. Et je ne supportais pas ça. Alors, c'est arrivé que je faisais ce que j'appelle la planche. Au lit, ben, quand j'en avais marre, je le laissais monter et descendre. Il faisait ce qu'il voulait faire et puis c'était reparti. Il s'endormait. Et moi, bon, j'avais la paix. Parce que quand je refusais là, ce qui se passait le lendemain ou dans la journée, c'est qu'il saisissait le moindre prétexte pour me rappeler à quel point j'étais nulle, j'étais incapable. Ça m'a pris du temps pour me regarder dans une glace et puis être contente, puis m'envoyer des bisous à moi-même. Yannick, s'il te plaît, viens m'aider. Ok. C'est bon. Ok, c'est bon? Non. Attends. Voilà. C'est bon. C'est bon? Oui. Merci. Alors, Chouchou est là. Allô? Comment tu vas? Bien, et toi? Oui, ça va. Je vais laisser ça ici. Hein. Bien sûr. Ça marche. Et ma chérie, tu pètes la fin. Merci. Où ma chérie? Oh, elle dort. Je l'ai laissée dans la voiture. Elle va retourner à la maison. Là, comme ça, on est tranquille. C'est clair. Qu'est-ce que tu en penses? Aïe. Ça, tu es déjà au printemps. Non, mais je suis en avance. Je sens que tu es, hein? Le moral est au top. Ah, ma chère. Nous, maman, on soulève le moral. Là, s'il veut rester en bas, on le soulève avec. En tout cas, avec le message que j'ai vu là, je sens qu'aujourd'hui tu vas cartonner. Allez, on y va. La fille nous parle encore. Oh, merci. Tu veux que je t'aide? Oui, ça va. Bonjour Canada, Montréal. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Que le Dieu du ciel soit avec vous. Je viens de loin pour vous voir. On va danser. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Mais comment? L'argent ne fait pas le bonheur. Mais depuis que j'en ai, je me sens bien. J'ai fait le tour du monde et le bougon. Le temps de Dieu m'a bien été béni. DJ, merci. Veuillez vous installer. Félicitations à vous, bienvenue. Je suis là normalement pour vous partager des clés, j'ai dit. Comment partager des clés avec des personnes qui me regardent avec un regard de... Vous avez l'air avec tant d'admiration, mais vous n'imaginez pas que je suis une simple sœur comme vous, une simple femme. Ce jour-là, les larmes coulaient et j'ai réalisé que j'avais démissionné de ma vie.
j'ai réalisé que j'attendais que les gens me rendent heureuse. J'ai réalisé que même pour ma destinée, en fait, j'étais à l'ouest. Tu veux partir Foulcan? C'est là que j'ai dit, à partir de dorénavant, à faire des femmes de pasteur, you call on l'air. À faire des... Oh, il faut être religieusement correct. Call on l'air, man! Yes! C'est ce jour-là que j'ai dit. Ceux qui parlent de moi, est-ce qu'ils sont mieux que moi? Regarde ta voisine, demande-lui, tu es mieux que moi? Tourne ça là-bas, oh! Je voudrais inviter une dame et après ça, je prendrai les questions que vous avez. My sister. Moi, je croyais que tu allais pleurer pour moi. Tu pleures pourquoi? Go, go. Respire, je pleure respire. Parce que je me demande si je vais être à la hauteur, mais il faut que je vous parle. Le 5 janvier 2017, j'ai mis mon mari à la porte. La majorité d'entre nous ici, nous sommes tous des immigrantes. On a été adultes en Afrique avant d'arriver ici. Ça ne se fait pas. C'est une honte pour ma famille. C'est la preuve que mes parents m'ont mal éduquée, comme me le disait mon ex. La séparation, c'est dur, parce qu'on espère encore que ça va marcher. Mais je l'ai fait parce que c'était devenu une question de vie ou de mort. Je reste et puis je meurs. Quand j'ai mis mon mari à la porte le 5 janvier, une semaine après, jour pour jour, ma mère est morte. C'est la terre qui s'est dérobée sous mes pieds. Ce deuil-là, je ne l'ai pas encore fait. Parce qu'à cause de mon ex, j'ai mis ma mère loin de ma vie. J'étais à deux doigts de me tuer. Mais grâce à mes enfants, je suis là et il n'est plus question que je mette fin à ma vie. Je suis encore dans un autre exercice dans mon groupe aujourd'hui. Je découvre ou bien je comprends que malgré tout ça, il faut qu'on reste vigilante. Parce qu'à un moment donné, t'es tellement comme je suis bien, finalement ça va, il n'est pas compliqué, il y a pire et tout ça. Mais ça fait qu'on s'éloigne, on ne se concentre plus à continuer à travailler sur soi et à rester, à toujours chercher à savoir qu'est-ce que je veux. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix qui m'a amené à être aujourd'hui ici? Si tout est bien, oui, quelles sont toujours mes valeurs, mes principes? Où est-ce que je veux aller? Quand on ne garde pas ça, à un moment donné, il vous embrouille. Parce que je dis ça parce qu'il y a eu quelques mois, il n'y a pas longtemps, j'ai failli être embrouillée. Et, non, mais c'est vrai. Et il m'a fallu... Et là, aujourd'hui, je profite de remercier ma sœur. Je profite de remercier ma sœur qui est dans la salle, qui a su me rappeler pourquoi tu as fait les choix que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est un peu comme aujourd'hui, j'ai appris caler en l'air. Ça fait 2 semaines, je n'ai pas remis mon mariage, mais je lui ai rappelé pourquoi j'ai fait les choix. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que je le lui répète, tu ne m'as pas choisi. Je t'ai choisi. Applaudis-moi. Ouais, bravo. Moi, ce que j'aimerais que Coach Sonia nous dise, c'est comment dealer avec notre éducation d'Africaine qui migre en Occident et arriver à matcher deux cultures. Arriver à matcher deux styles de vie. Parce que quand on est en Afrique, on a l'habitude de nous dire, femme, tu dois soutenir ton mari, tu dois vivre pour ton mari, tu dois être là pour ton mari. Quand tu arrives en Occident, tu dois être aussi pourvoyeur. Fait que l'homme va sortir travailler, tu dois sortir travailler, mais en même temps, tu dois être la femme qui s'occupe de tout à la maison, qui doit être disponible, qui doit faire le ménage, qui doit avoir son foyer propre, qui doit s'occuper de ses enfants, en même temps s'occuper de son mari et renvoyer le chèque de paye à la fin du mois. Comment on deal avec ça? Go! 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 Lean back, a little bit more. Lean back, lean back, lean back. That's it. Go! 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 One more time. Hello!
Chinrika est déjà passé à l'étape sur le passage. Moi, bon. Voilà. Bon. Ouais, c'est peut-être plutôt ramassé. Ok. Bon, pour ton petit déj, qu'est-ce que tu prends? 6 à 30. Wow, ok. Et tata est là. Ça y est, on va y aller. C'est la matinée où je perds en efficacité. Voilà. On a fini. On va regarder Pat Patrouille. Tu regardes Pat Patrouille. Ok, on y va. Grâce, t'as besoin d'aide? Non, pas d'aide. Oh. Allez, tiens. Tire vers toi. Encore. Tire encore ici. C'est bon? Pas encore bon. C'est bon, Lisa. On croque. Celui qui est dans le bac, oui. Ouais, ça fond pas. Bonne journée. Bonne journée. Vexé, bon. C'est fini. Que Dieu accepte ta prière. Amen. Comment ça va? Ça va, ma chère. Bon arrivé. Moi, j'ai raconté, justement, c'est moi qui ai instigé la médiation. Je suis allée voir les membres, je lui ai dit, écoute, ça ne fonctionne pas dans ma famille, il y a beaucoup de problèmes, puis voilà un peu ce qui se passe. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Fait que lui, je suis allée lui parler. Il m'a dit, bon, ok, je vais appeler ton mari, on va se parler. Quand il parlait à mon mari, je n'étais pas là la première fois. Mm. Fait que il y a eu sa version à lui. Il y a eu ma version. Ok. Puis après, il nous a rencontrés ensemble. Mais quand il nous a rencontrés ensemble, ce qu'on m'a dit, c'est que oui, on est conscient du fait que oui, il y a eu des écarts, mais oui, je vais lui parler, je lui ai montré comment ça fonctionne en islam, et il sait comment il devrait se comporter maintenant, fait que tout est beau, rentrez chez vous. Puis quand vous êtes retrouvés, je pense que toi, tu es partie de la rassurer. Non, parce que je t'ai pas du tout rassurée. Mais ils t'ont promis qu'il ne va plus recommencer. Sur quoi? À quelle base? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. J'en ai aucune idée. Je n'ai pas participé à la rencontre. Mais c'était, ok, tu es la femme. Puis c'est à toi de prendre sur toi. Puis moi, je fais ce que je veux.
En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu parce qu'il n'y a eu aucun changement. Tu peux sortir de là avec la bonne volonté et vouloir pardonner. Mais quand ça va se répéter, c'est sûr qu'on s'entend que tu vas aller ouvrir ton cahier de compte, puis tu vas sortir la liste de tout ce qui s'est passé. Tu dis, OK, on recommence. Ouais. Là, toi, tu vas te braquer ou pour certaines, elles vont se renfermer. Moi, je me suis braquée dans mon cas parce que je me dis, non, oh, c'est assez là. Je n'ai pas besoin de subir ça. Ouais. J'ai été éduquée par une femme assez forte qui m'a dit, tu n'as pas à subir ça. Pour rien au monde, un mariage, ce n'est pas une fin en soi. On s'attend bien que sans ça, tu serais encore en train de subir. Ben oui, je serais encore en train de subir parce qu'on nous fait croire que une femme se définit par le mariage. J'ai l'impression d'entendre ma mère assise sur son tapis de prière en train de me parler. Oui. Bonjour, Madame Gentil. Bienvenue chez CDS Balimaya. CDS Balimaya, c'est un centre de développement socioculturel. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre clientèle au centre ici? Oui, on reçoit beaucoup les gens qui sont déjà ici parce que leur intégration n'a pas bien été. On les reçoit beaucoup parce qu'ils ont besoin de services. On reçoit aussi les nouveaux arrivants, référés par les gens qui utilisent déjà le service, qui disent « ça sera mieux d'aller là, vous allez avoir les bonnes informations ». Donc, on retrouve tout le monde. Tout le monde vient là. La femme, elle va s'intégrer le plus rapidement possible. Ouais. Elle va s'intégrer le plus rapidement possible. Le mari, ça traîne un peu. Donc, à ce moment-là, l'homme va trouver que la femme s'est trop intégrée. Ben, les changements, ils viennent aussi. Parce qu'avec les lois, avec la dame, tout ce qui est donné, la dame, elle va tout avoir. L'homme, souvent, va refuser certaines idées, certaines façons de faire. Donc, son intégration commence à être difficile. Et les enfants qui ne disaient pas non dans son pays d'origine, qui dit à papa non, il va trouver difficile. Peut-être qu'il y a certaines dames qui n'avaient pas l'habitude à parler mal ou à répondre mal. Compte tenu qu'ils ont trouvé de l'aide qui dit « tu peux mettre ton mari dehors, tu peux appeler le 911, tout de suite il va dormir dehors », qui a tous les pouvoirs. Si le mari dit 1, elle va dire 2. Le mari dit 3, il va dire 4. Et à un moment donné, les mots là, ça blesse des fois. Si ça dépasse, le mari peut être hors contrôle. Cela veut dire, tu pousses la personne à faire de la violence. Il faut regarder ça aussi. À quel moment quelqu'un va te porter la main? Qu'est-ce que j'ai dit qui était grave? Pourquoi les gens y arrivent des fois, ils tuent des personnes face à des comportements qui sont arrivés, tu lui as poussé de commettre ça. Donc, il faut regarder pourquoi les hommes, certains hommes sont violents en face de certaines femmes. Est-ce que nous parlons ensemble, je dis rien, je suis assis. Est-ce que la personne va venir comme ça, te frapper comme ça? Tu n'as rien dit, rien, pas de mots, pas rien. Il y a certaines personnes qui sont fragiles. Donc, quand tu connais ton homme, tu sais qu'il est violent, évite les choses qui l'amènent à être violent. J'ai connu beaucoup de femmes, quand même, qui ont vécu longtemps la violence conjugale, qui ont été détruites simplement parce qu'elles ont continué par se dire « je dois du respect à mon mari ». On parle des cas vraiment exceptionnels. Qui est devenu comme une norme. C'est pour cela, dans notre communauté, Elles sont tous au courant. Quand il arrive des conflits présentement, les gens qui fréquentent notre centre, quand les dames disent « je vais appeler Oussaz Diakité », l'homme se calme. Ah. Parce qu'il sait qu'il y a une ressource qui est là, qui ne mentira pas, qui va dire la vérité. Quand il dit au mari « on s'en va chez Diakité aller parler de notre conflit », le mari même appelle avant la femme. Okay. Des fois, un simple coup de fil, c'est réglé. Si les gens viennent vous voir pour question de violence conjugale, vous pensez que quand ils retournent et qu'ils disent... C'est réglé.
Ok, la violence. Si mes côtes, c'est fini. Il n'y a plus de violence. Et est-ce que vous avez une façon de faire un suivi, de savoir si c'est réglé ou pas, qu'il n'y a pas continuité? Oui, parce qu'ils continuent à venir au centre, ensemble. Et ça, Christiane, je te disais. Ouais. Je cours plus vite que ma rivale. Ça me plaît, mais... Le nom? Moi, je ne suis plus en compétition. Avec qui que ce soit, ma Jamais. Soeur. Moi, je suis hors catégorie. Propre. Non, mais... Mais je veux prendre quand même juste pour embêter les gens. Mais oui. Tu mets les petites demandes. Tu sais ça comment on appelle le pagne, je là? Je cours plus vite que toi-même, d'abord. Parce que toi, tu as beau courir. Ah, tu... ça, je suis toujours plus vite que toi. C'est ça. Mais ça, c'est toi, je vais voir. C'est vraiment beau. Ouais, c'est très beau. C'est propre. Sentir jaune comme ça. Mais oui. Aïe. C'est l'été. Quand tu vas me voir, tu auras envie même d'être à ma place. Mm-hmm. Hey, on est à Montréal. Mm-hmm. Porter quelque chose de plus sobre, non? Aïe, moi-même, je suis déjà sombre. Je veux encore m'assombrir. Ah, toi aussi. T'as besoin de couleurs. Mais oui. Non, mais... Ah, toi, tu choisis ça. Aïssata, mm-hmm. Toi, tu vends, non? Moi, je vends. C'est ça. Moi, je ne choisis pas. Moi, pour l'instant, là, je vends. Ah, fleur du biscuit, ça, je suis une bonne vendeuse. Ça, là, tu ne visualises pas le modèle. Ça, c'est le réflexe de la vendeuse, ça. Oui. Ça, c'est vrai. On les roule même bien, là. Quand c'est bien à m'y donner, tu fais ça. OK, passez vos commandes, mesdames. OK, photo. Christiane, yes. Je suis ici. Hein? Attends, ok, il y a même à Guissan. Tu sais, oui. Comme chez nous là, aubergine. Les mini aubergines là, poufoufou. Tu es où? Mais voilà, magie. Comme mais chez oui. Nous au pays. Ah, tu ne vois pas ça souvent ici? Non, ça est franchement pour ça nulle part. Ah oui, oh, toi tu n'as pas les réseaux. Il faut que je te montre. En tout cas, je suis arrivée. Bonne arrivée. Merci. De temps en temps, il faut appuyer aussi. Quand c'est pour eux, c'est que les gars appuient ici. C'est pour eux. Oui. Et ça? No good. Ça me... Oui. Mais quand il y a des trous là, il faut faire attention parce que tu ne sais pas le trou là, à l'intérieur, ce que ça donne. Du coup, c'est ça. Il y a pas de bon aujourd'hui, je crois. C'est les mêmes, hein? Ou c'est différent? Toi, tu en as pris combien? 3 ou 4? Ah, quatre. C'est ça. Ouais. Aussi essayer. Moi, je veux faire à l'oreille. T'arrives, tu es en marché de travail, dans une autre culture différente, tu n'as pas envie de rater ton entrée dans le marché de travail, de t'adapter. Faire tes preuves et tout ça. Voilà. Donc, elle en veut aussi sa carrière à bâtir. Moi, j'ai ma carrière installée, mais elle doit la bâtir. Ouais. Donc, je dois aussi tenir compte de ce paramètre-là. Donc, quand elle a trouvé ce qu'elle aime faire, bah... Ça, c'est très important, ce que j'aime faire. Et pour le quotidien à la maison, parce que, bon, tu as fait plein d'allusions là, et je vois que tu tiens compte de ta femme. Ouais. Dans le sens où ce qu'elle veut, c'est important. Tu as besoin qu'elle soit à l'aise dans ce qu'elle fait. Moi, j'estime qu'un couple, c'est de la complémentarité. Il y a des choses où quelqu'un va être plus à l'aise, avoir plus de facilité que d'autres. Donc, c'est plutôt cette complémentarité-là qu'il faut travailler. Il n'y a rien qui dit que bon, ben, c'est la femme qui est obligée de faire ci, faire ça. Non. Merci. Oui, chérie. On dit s'il te plaît. Oh, t'es gentille, ma chérie. Merci. Waouh. T'as couvé. Allez, viens, on va regarder la vidéo. Regarde. Ah, t'es là. C'est qui est contente comme ça? Oui, quand je revois... Il y a un an et quelques mois, quand on est arrivé, là où elle en est aujourd'hui, c'est du chemin parcouru, c'est
une somme d'expérience et mon souhait, ma vision, c'est qu'elle soit riche de ces expériences-là. Grâce, c'est quelle femme elle va être demain? Une femme libre, libre de choisir. Et quand je dis de choisir son nom d'abord. Une femme libre de choisir sa carrière. Une femme libre de dire oui ou non. Ça, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé pour ça. Je sais, est-ce que c'est trop dur qu'on l'a mis trop haut ou c'est correct? Non, c'est correct. C'est comme un petit défi. Oui, bien ça. Exact. Oui, c'est bon. Vraiment, Ah, merci, je l'ai eu. Merci. Parfait. Yep. Merci. Bon. Comment ça a été, ça? T'es super? Eh, hey, tu veux voir mes photos d'avant? Quand je bottais encore? Non, je botte toujours. Tu bottes toujours. Mon Dieu. Si tu restes, ça te reste. C'était en 2011, là. Donc, j'écris tous les noms, là. Je vais abréger. Hein, tu en as trop. Je te dis. Hein. Donc, j'abrège lequel? MSC, Kafui. Non. J'écris tout. Le premier prénom, l'abrège. Tu peux pas mettre tout. Bon, MSC. Donc, je vais serrer l'écriture, alors. Parce que j'aime quand Christiane apparaît, là. Oh, mon Dieu. Bon, moi, j'ai fini ça. Je voulais vous demander, moi, à un moment donné, j'avais senti que Christiane vivait la violence conjugale. Est-ce que vous, vous aviez senti ça à un moment donné? Même je lui en parlais tout récemment. Dès le début qu'on se connaissait, il vient souvent chez moi. Mais Christiane est toujours retranchée. Elle est toujours dans un coin, là. Même je dis, c'est bizarre l'attitude de Christiane, là. Le bonhomme lui prend toute la scène, il fait le show, il fait rire tout le monde. Et Christiane est toujours assise sur une chaise au fond, tout le temps. Il a parlé, c'est bizarre. Christiane là, elle ne parle pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il doit avoir un problème. Mais la violence, je n'y ai jamais pensé un seul instant. La première fois où j'ai vécu leur scène de ménage, c'est un soir où est-ce que Imela, sa fille, a pris le téléphone et m'a appelé. La semaine où elle était venue rester chez moi, c'est quand, après ce coup de fil-là. Le coup de fil, là? Que les enfants m'ont appelé pour me dire que Christiane, j'étais arrivée. Christiane, toi-même, tu peux le raconter à Balo. C'est là qu'il m'a mis la main au cou. Puis moi, je continuais de lui répondre. On était rentrés dans les injures. Et ce jour-là, je lui ai dit qu'il est un monstre. Puis quand il m'a pris la main au cou, il avait la force et puis il me repoussait. Et puis on s'est retrouvés dans la chambre. Puis les injures ont continué. Que je cours après les hommes. Que je veux me faire baiser. Et qu'une femme qui court après les hommes, lui, ne baisse pas. Comme il m'a suivi dans le geste, parce que j'ai saisi le téléphone avec mon bras droit, le téléphone est tombé. Et moi, j'ai plongé au sol pour reprendre le téléphone. On avait un sapin, le téléphone était sous le sapin. Et quand j'ai plongé au sol, il m'a suivi au sol. J'étais couchée sur le sol à plat ventre. Et lui, il était assis sur moi. J'essayais de prendre le téléphone avec mon bras gauche. Parce que mon bras droit ne va pas bien. Il m'a tordu le bras gauche en arrière. Puis ensuite, il a tordu mon bras droit en arrière. Il était assis sur moi. Franchement, moi-même, je suis dépassée. Et c'est de telle amant, je ne les ai jamais. Elle-même, le monsieur non plus, ne m'a jamais parlé de ça. C'était arrivé, c'était après quelques semaines que le monsieur est venu me montrer quelques traces sur sa poitrine, qu'il y avait une petite scène de jalousie avec elle, et puis elle a graffiné. Donc ça, c'était arrêté là-bas. Mais ces détails-là, je ne les ai jamais eu. Donc, c'est lui, sa version, c'est Christiane qui l'a... C'est ça. Il m'a montré quelques petites traces, mais il dit qu'elle a déchiré même sa chemise, son t-shirt, et puis ça s'est arrêté là. C'est tout. Les détails, là, c'est tout ce que je sais là-dessus. Et que Christiane a quitté pour aller s'installer chez toi. C'était tout.
Mais les détails, là, je ne l'ai jamais, jamais, jamais eu. C'est que ce que je vois, nous, les immigrants, les hommes en particulier, on joue sur notre culture. La culture, c'est l'homme qui décide de tout. La dame doit se plier. La femme ne doit jamais détruire sa famille. Et c'est ce qu'elle a fait. On ne dénonce pas. On pense que ça va s'arranger. Et on se sacrifie. On se rappelle des conseils de nos arrière-grands-mères. La femme n'abandonne jamais son foyer. Elle est prête à tout. Mais on n'est plus dans la même dynamique. Les choses ont changé. Ici, par rapport à ici, je veux dire. Mais que ce soit nous les hommes, que ce soit les femmes, on continue de vivre dans ces idées culturelles que nous avons ramenées ici. En fait, c'est ça le problème. Mais ici, nous sommes sur un autre territoire. La culture est complètement différente. Mmh. Et une adaptation s'impose. On n'a pas de choix. Mmh. Une adaptation s'impose, sinon c'est la destruction totale, comme la famille qui s'est explosée. Donc, il y a un problème d'adaptation au niveau culturel à ce niveau-là. Ouais. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Et je viens pour faire une demande de passeport. Ok, vous pouvez rentrer. Merci. Je suis là, puis ça me ramène. Parce que tout ce qui est administratif, mon ex, il aime ça, il aime gérer ça. Ça me rappelle mon papa, ça me rappelle mes vies d'avant. Mais tu vois, tu devrais voir le bon côté de ça, non? Aujourd'hui, c'est toi qui remplis ton formulaire. C'est ta décision de faire renouveler ton passeport. Ouais. Puis ta mère, c'est sûr qu'elle va être fière de toi. J'espère bien. Je l'imagine avec son petit sourire en coin et puis ses yeux qui rient. Ma route me ramène là-bas, là où tout a commencé, là où mes parents sont nés. Parce que la petite fille doit rejoindre la Christiane d'aujourd'hui. Et c'est au Togo que ça va se faire. Et elle a besoin de dire à sa maman que elle aurait aimé lire la fierté dans ses yeux. Voilà, être fière de la femme que je suis devenue. Mais il a fallu qu'elle soit plus là pour me tenir la main, pour que j'apprenne à me tenir debout, toute seule. J'apprenne à me lever, à garder mon équilibre, puis à marcher un pas après l'autre, puis à courir, puis à voler, puis je vais voler. Ah, salut, salut, comment ça va? Elle est dit. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop gentil. Ça, c'est pour mes amis. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci. Attends, je vais mettre ça ici. Mais assieds-toi. Oui, parlons de toi. Comment ça va depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois, j'étais venue, on était quatre. Mmh. Aujourd'hui, je viens seule. Et... Oui. Et... J'étais venue avec celui qui était mon mari. Aujourd'hui, je suis en instance de divorce. Ok. Je suis séparée de lui. Et puis, j'ai les enfants, j'ai la garde des enfants. Wow. Puis, c'est arrivé parce que je vivais beaucoup de violences conjugales. Oh, puis, j'ai vécu toute la panoplie de violences conjugales. Je suis vraiment désolée, oui. Ouais.
Tu as connu Christiane à une certaine époque. Ben oui. Et puis je suis sûre que celle que tu as vue la dernière fois, elle était assez différente de celle que tu as connue à l'université. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je peux juste essayer d'imaginer ce que tu as subi entre quatre murs, entre les murs de ton foyer, tu vois. Parce que c'est cela aussi, c'est qui dit violence, dit étouffement. Oui. Oh, oui. Là, au moins, tu respires. Oui. C'est déjà ça, de prix. Ah, ça fait du bien, parce que je l'ai connu, l'étouffement, là, au figuré comme au propre. Oui. Hein. Puis je sais ce que ça fait d'avoir une bonne bouffée d'air frais. Bah oui, bah oui. Tu retrouves dans la peau de la jeune fille de 20 ans. Ouais. Qui se bat. Oui. Pour que justement, hein, parce que nous, on s'est battu à tracer ça. C'était les livres, c'était la rencontre qu'on pouvait avoir, c'était ces conférences auxquelles on assistait à l'époque. Mais là, donc voilà, donc te voilà de nouveau dans la peau de la guerrière. Parce que justement, il y a eu cet enfer-là, d'où t'es sortie. Oui. Écoute, c'est la vie devant soi. Tu as de très beaux enfants. Hein? En soi, c'est une œuvre extraordinaire. Oui. Voilà, maintenant, tu vas pouvoir libre à embrasser tous les combats que tu veux. Oui. Donc voilà, je viens souvent ici suivre le cours ou la musique de mes pensées. C'est. Ouais. Et puis il y a même l'eau là, le ressac de l'eau. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Encore entendu le ressac. Moi, je suis d'accord avec votre médecin de famille. Je pense que avec la dépression, les problèmes familiaux que vous avez eus, le coude, la chirurgie, vous avez eu beaucoup de choses en même temps, on s'en souvient. Puis je m'inquiétais beaucoup pour vous. Puis là, on est clairement vers du positif. Vous allez beaucoup mieux. Ouais. Il ne faut pas aller trop vite. Écoutez, docteur, je vous remercie beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis reconnaissante. Je vous admire, puis j'ai beaucoup de respect pour vous. Notre toute première rencontre à Sakeka, je me rappelle, je vous ai dit que je suis devenue monoparentale, c'est récent, puis vous m'avez demandé est-ce que c'était lié à mon coude. À cette époque-là, je commençais seulement à réaliser. J'avais même pas fait le lien, mais vous avez vu. Je pense que j'ai trouvé la force de continuer à travers des gens comme vous, à travers mon ergothérapeute, mon physiothérapeute. C'est plus que des soins physiques. C'est tout moi qui reçois des soins. Et puis ça, c'est waouh. Fait que je suis encore plus contente d'être au Québec. C'est des gens comme vous qui viennent renforcer notre province, vous savez. Pleurez pas, vous allez me faire pleurer. Vous savez, je pleure tout le temps. Oh non, c'est de larmes de joie. Okay. Faites-vous-en pas. Puis je vais aller voir mon père, mon vieux père aveugle. Et puis... qui ne peut plus marcher avec ses rhumatismes et tout ça. Bon. Mais je vais aller lui dire que je lui ai déjà dit au téléphone et puis j'en profite là. Il m'a dit, tous ceux que tu rencontres là-bas qui t'aident, dis-leur que ton père vous remercie. Oh. Puis je vous le dis sincèrement et puis je vais lui dire, j'ai vraiment eu du beau monde ici qui prend soin de moi. Ah, oh, vous êtes chanceuse, ça va être un beau voyage pour vous. Fait que c'est sûr que votre voyage, ça va vous faire beaucoup de bien. Oui. Mais ça peut être fatigant aussi. Oui. Donc, petit bagage, valise à roulettes. Traînez pas un gros sac dans vos bras tout le temps. Promis? Bon, après, je vais aller ranger, là. Mais. Bon, on va équilibrer. C'est un art, ça. Mais c'est là où ça sert la bonne éducation africaine. 23 novembre 1975, 23 novembre 1994, cela fait 19 ans que tu es née. Bon anniversaire, Christiane, et garde précisément cet héritage que je mets aujourd'hui entre tes mains. Ça m'a sauvé la vie. Quand c'était chaud, j'avais ma Bible qui traînait dans un carton dans notre escalier là où genre le débarras.
Je suis allée la ressortir. Et depuis, elle ne m'a plus quittée. Tu avais l'impression de retrouver ta mère en prenant ce... en retrouvant ta Bible? Mais oui, je retrouvais mes racines parce que moi, tu as besoin de t'ancrer quelque part là, sinon tu te noies. Tu utilises ton bras? Bingo. 9-10. Je t'aime. On va pouvoir s'appeler. J'ai fait débloquer mon téléphone. Je vais prendre facilement une puce au pays. Oh, viens, viens, viens. La grosse, la bleue bleue là. Bonne arrivée, ma fille. Bonne arrivée, bonne arrivée. Bonne arrivée. Alors, ça va? C'est bien. Va embrasser ton grand frère. Putain, en forme. En tout cas. Mais c'est pour cela qu'elle dit qu'elle ne veut pas du tout quitter Montréal. Vous avez fait le grand voyage. Ouais, maintenant on va donner une nouvelle. Oui, ah, voilà. C'est pas comme ça. Rendez-vous là, vous allez demander, oui. Ah, je l'ai oublié, bon, je me tais. Ceux qui ne sont plus, notre maman aussi qui n'est plus, on va demander à tous ceux-là. On va leur dire que leur fille est rentrée au pays pour quelque temps. Ouais. Elle a fait un bon voyage. Ouais. Tous ceux-là ont déjà veillé sur elle pour qu'elle arrive ici. On va leur demander encore de veiller sur elle durant tout son séjour, de veiller sur tous ceux avec qui elle est venue, que leur séjour se passe bien, qu'ils aient satisfaction pour tout ce qu'ils vont entreprendre, et qu'enfin qu'ils puissent rentrer dans de bonnes conditions et aller rendre témoignage que quand ils sont venus au Togo, ils ont trouvé la paix, ils ont trouvé la joie. Voilà. Donc tout ça, veillez bien l'exaucer et prenez ça. C'est pour vous. Il y a celle-là. Tu comprends maintenant le choix de mon pagne? Oui, attends. J'ai oui. payé le même pagne, la même couleur, parce que maman a le vert. Oui. Justement, exactement. Ça, oui, ça c'est comme des photos portraits qu'on fait à certains âges. Ça, c'était dans la quarantaine, en début quarantaine. Et puis, cette photo-là, je l'ai sur. Et c'est ça qui est sur mon portable, là, quand l'écran se verrouille. En tout cas, ta maman est belle. Je ne vais pas dire qu'elle est plus belle que toi, mais... Ben non, ça. Elle est plus belle. C'est, ouais, plus belle. C'est une belle femme, là. En plus, c'était le jour de son anniversaire. Elle est née le 1er mars, 45 donc... 45 ans. 45 ans. Bonjour, Marie-Josée. C'est elle qui nous suit. Et la famille ici? Ça va. Elle suit directement? Oui, elle me suit direct. Oui. Le jour où vous voulez, vous venez. Je ne vais nulle part. Je suis toujours à la maison. D'accord. C'est parce que vous êtes là que je bavarde, comme je cause comme ça. Sinon, je suis souvent seul, soit avec la radio, ou bien en train de prier sur mon chapelet. Agolo. Bonjour, tata. Il y a un peu de temps.
Kixon, il y a des pannes qui taillent ici, là. Ici, là. Regarde ici. Kente, Chania, non, oui, là, Kente. Génération, génération. Et à quel point on a des Kente, là? Le poids. Le poids, Jean. Elle est là, quand même. Donc, à ouvrir, à voir. Nene, mille euros. Attends, attends. On va faire ça phasé. José, regarde, Dende. Quel poids. Non, elle venait poser à elle, mais je ne sais pas si elle peut aller chez elle. Mais c'est pourquoi elles sont devenues amies. Ah, c'est la mère qui m'a raconté. Je vais climatiser ça pour vous. C'est ça l'Afrique, dans toute sa splendeur. Je vais climatiser dehors aussi. C'est bon, non? Il faut climatiser tout le monde. Bon, il faut ouvrir la porte là parce que moi je ne suis pas habituée là. On va aller voir. C'est même pas chose là. Hein. On n'a même pas tiré les rideaux, rien. C'est bon. Il y a des chaussures dans ce secteur-là. Des vieilles chaussures. Ça me fait bizarre. Sur la table, il y a l'album. De quand ils sont allés en France là. Oh, les albums des gens. Oh, c'est bon, merci. Ça là, c'est son certificat de CAP. Ce qu'il y a au salon là, c'est pour CAP là. J'ai vu ça. Ça là même, j'ai dit que si je trouve l'argent avec le temps, on va refaire. On va refaire. Là-bas. C'est leur photo de mariage. Mais je pense que toi aussi, tu étais là pour les représenter, toutes ces elles qui étaient plus loin. Mais si elle était là, si ça devait arriver, ça allait arriver. C'est pour ça que nous sommes ici. Ça allait arriver, donc. Si tu peux lui faire comprendre ça. Je le sais, mais... Ma mère, il y a des images. J'ai vu ma mère quelques jours avant d'entrer à l'hôpital. Quelque part, c'est moi qui ai fait qu'elle est rentrée à l'hôpital. Quand maman, je suis comme ça. Oh, maman, un problème de cœur. C'est là, le jour-là, le gars a appelé. Ça n'a pas duré qu'il s'est appelé. On a fait près de 45 minutes au téléphone. Ça m'a expliqué. Je suis venue, maman n'a pas pu me dire ce qui se passait. Seulement, maman disait que, oh, les Kémila ont la famille. Donc, après les fêtes de Noël, là, maman ne s'était pas sentie bien. Même le 31, là, ma maman ne s'est jamais déplacée, venue dehors. Maman est décédée, non. Nous, dès qu'on était là, on a bien pleuré. On a bien pleuré. On a fini, puis on a commencé à appeler les gens. Quand je lui ai dit, la manette, elle a crié au téléphone. J'ai été obligée de passer le téléphone à papa. Le jour-là, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Peut-être tu vas te dire que si j'étais là, mais on n'est pas Dieu. Si j'étais là, peut-être ça n'allait pas arriver. Mais on n'est pas Dieu. J'ai eu le temps de lui dire que je l'aime. Le 31 décembre. Mais j'aurais tellement voulu lui dire qu'elle avait raison. Et que je suis désolée. Elle avait raison sur tellement de choses. Mais elle savait, et puis elle a respecté mon choix. Et puis elle a accepté. Elle a trouvé la force de me voir souffrir. Moi, j'ai trop pleuré maintenant. Je suis fatiguée de pleurer. Il n'y a plus de quoi pleurer. Maintenant, il faut juste garder tout ce qu'elle vous a appris. Nous, on est dedans tous les jours. Partout où on passe, on sait qu'elle est là, parce que c'est ici qu'elle a vécu les 7 derniers jours. Pour ceux qui sont ailleurs, là, ça se comprend. Ça se comprend. Thank you.
parler un peu, le frère. Amina, mais je t'ai dit que le vieux vient ici. Le vieux est venu ici à Toussaint, là, parce qu'on a souffert. Ah bon? Je t'ai dit qu'on avait fait la tombe, on est venu ici le 1er novembre. Là. Je t'ai envoyé les photos. Ouais. C'est sur le truc photo là qu'on a pu, non? Oui, là où il y a le gros rond là. Faut faire beaucoup, hein. Je suis venue te montrer que j'ai survécu, je vais bien. Je suis venue te dire merci aussi de veiller sur nous. Je sais que tu veilles sur nous. Continue de prendre soin de nous, maman. Et que Dieu te garde. Tu nous manques. C'est tellement grand, lourd que. Voilà. Tu vas sortir le bras. Voilà. C'est dehors qu'on va faire la photo, non? Tu veux qu'on aille faire ça dehors? Non, on peut tu faire. Tu peux t'asseoir dans le fauteuil ici. Celle qui dit qu'elle va faire une oui, première pause là. C'est beau comme ça. Ok. On va prendre d'autres encore. Voilà. Il ne faut jamais rembourser le mal par le mal. Quand quelqu'un te fait du tort, demande plutôt à Dieu de lui pardonner le tort qu'il t'a fait. Prie pour lui pour qu'il puisse changer de comportement. Il faut être sans rancune. Voilà. Et puis, je crois que là-bas à Montréal, ceux avec qui tu es venu, vous êtes en très bon terme. C'est pour cela que vous avez formé le groupe pour venir. C'est vrai. N'est-ce pas? Oui. Ah. Là où on n'a pas de parents, mais on trouve des gens qui deviennent un peu parents. C'est vrai. Que Dieu éloigne de votre itinéraire tout ce qui peut être obstacle. Amen. Ennui et même danger. Amen. Que Dieu lui-même soit le pilote de des avions qui vont vous transporter. Amen. Voilà. Mais je voulais te dire que maman n'est plus là. Tu es seul physiquement, mais nous, on est avec toi en esprit, de cœur et d'esprit avec toi. On pense à toi beaucoup. C'est qu'on n'est pas là physiquement. Mais... Non, ça, ma fille, il ne faut pas trop parler. Tu as compris? Ça, ce n'est pas un problème. Non. C'est pour vous, les jeunes, que ça fait pratiquement un problème. J'ai ce qu'il faut pour pouvoir tenir.
ma prière, c'est que je dis à Dieu toujours, il m'a donné le courage de tenir bon dans mon état de veuf. Priez toujours pour le repos de l'âme de votre maman. Même si elle repose déjà en paix, continuez de prier pour elle. Nous ne savons pas, mais il faut continuer de prier pour le repos de son âme. Point. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci beaucoup. Adiate longue, na bina usabwa munyenge, binyola sibi, lo beni mumusima, sibi miyona nika, inu wanyombe na belemo, tumimbu mitumbande, bati ya mohe tube, alabe tomba, sila ne tomba, aye, alabe tomba, sila ne tomba, we, a mama miyomba, we, mama n'a pas vu, non, non, non. Non, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Mon arrivée, ma soeur. Merci, c'était ça. Va. Oui, toi. Ma chérie. Waouh. C'était mes plus belles vacances. Faut retourner. Ah, non, mais. Ah, ça... Non, ici, là, c'est chez moi maintenant. Oui, c'est ça. Je viens de là-bas, c'est mes origines. Oui, mais ma vie, c'est ici. Au Canada. Même quand je suis allée, j'étais contente d'être là-bas. Mm-hmm. Mais pour une fois, j'étais consciente que ma vie, ce n'est plus là-bas. Chez moi, mon chez moi actuel, ce n'est plus là-bas. C'est ici. Et puis, j'étais en paix avec. Je le savais, je l'ai compris. Mais c'était comme une confirmation. Toi, tu connais comment on dit chez nous, la validation. C'est oui, validé. Tu as validé. Propre. L'avenir pour moi, Christiane, c'est pas de rester en victime. Ben non. L'avenir pour moi, Christiane, c'est de dire qu'au-delà de tout ça, tu n'éteindrais pas la flamme que j'ai en moi. C'est ce que tu recherchais, c'était ton but. Tu n'auras pas cette joie-là. Non. Je te laisserai pas cette joie-là. Cette flamme-là va briller. Comme on dit, il y a des garçons et puis il y a des hommes là. C'est ça. Il y a des filles et puis il y a des femmes. Mm-hmm. Nous, on est des femmes. Puis on sort de ça. Ouais. Grandit. Ouais. Ça ne fait que commencer. C'est ça. Cette histoire-là, je ne peux jamais oublier. C'est vrai. Je pensais que quand je vais en guérir, je vais en sortir, je vais oublier. Mais ce n'est pas possible. C'est ma vie, c'est mon histoire. Si j'oublie, c'est comme si j'oublie une partie de moi-même. Donc, tu transformes ça en autre chose parce que ça fait partie de toi. Comment est-ce que je vais continuer à vivre avec sans que ça ne me rende malheureuse? Qu'est-ce que je peux en tirer pour continuer la route? Comment tu as fait pour surmonter tout ça? Est-ce que, genre, tu t'es comme levé un jour et t'as pris la décision de ne plus penser à ça? Ou, genre, t'as accepté ta situation, tes problèmes? J'aimerais un peu comprendre comment t'as fait. C'est quand j'ai pris conscience que si je reste là, je vais laisser ma peau. C'est là où vraiment je me suis mise en marche. Mais j'ai eu de l'aide. J'ai eu beaucoup de l'aide. Je pensais que j'assurais. Parce que je protégeais tellement les apparences. Plus ça allait mal, plus je voulais donner l'image du couple idéal. Et puis ça marchait pour ceux qui étaient dupes ou ceux qui voyaient de loin. Mais il y a du monde autour de moi qui voyait que ça ne va pas, qui me voyait souffrir, mais qui attendait que moi je leur dise. Parce qu'ils ne peuvent pas m'aider si je ne veux pas ou si je ne demande pas. Certaines personnes, tu sais, je suis pasteur. Après 5 ans de ministère, j'ai écouté beaucoup d'histoires. Certaines personnes ne mettent pas 1 an avant de partir. Mais d'autres, là, veulent changer ce qui n'est pas changeable. En tant que pasteur, moi, une femme ne peut pas venir me dire, voilà, mon mari, il rentre à la maison, saoul, il boit, il tape sur tout ce qui bouge, les enfants. Et puis je lui ai dit, tu restes. On me dit souvent que je suis patiente.
que je l'écoute. Mais si c'est vrai, ben, je vais en faire bénéficier d'autres personnes. C'est des dons, patience, écoute. C'est des dons qui sont nécessaires à cette mission. Nous voyons, Seigneur, que tu soutiens Christiane. Que rien, Seigneur, ne vienne, Seigneur, perturber, Seigneur, cette nouvelle vie, cette nouvelle joie. À présent, aide-la, Seigneur, à aider les autres au nom de Jésus. Et que ta paix, Seigneur, soit dans cette maison, Seigneur. Amen. Amen. Good, good. Que Dieu soit loué. Allô, bonsoir. Célestin? Oui. C'est Aïssata, comment ça va? Oui, ça va. Ça va bien, ça va par la grâce de Dieu. Écoute, je vais nous mettre en conférence avec Christiane. Puis okay. On est en train de discuter du thème de la conférence. Allô, Aïssata? Allô, Christiane, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ta journée? Comme d'habitude, hein? On court par ici, on court par là. Pour moi, ma question c'est, est-ce qu'on va aller parler des problèmes conjugaux en général, des petites querelles qui séparent monsieur et madame à la maison, des petits palabres de tous les jours, comme on le dit chez nous, là, ou est-ce qu'on va prendre le temps de mettre la main sur le vrai sujet? Si on va trop fort dans le sujet, on va perdre un certain nombre de personnes. Si on le survole aussi un peu trop légèrement, c'est sûr que des personnes comme moi, là, qui sont déjà échaudées et puis qui veulent que, OK, là, il faut qu'on réagisse, ne vont pas se sentir assez concernées pour se présenter. Ben, j'essaie juste de mettre des mots ensemble, là, ce n'est pas encore sorti, mais peut-être que si on va mettre ça, on va mettre l'immigration, les défis du couple, peut-être que ça va comme rejoindre certaines personnes qui vont se dire, ben, OK, je n'ai pas vraiment de problème conjugaux, mais j'ai quelques défis d'immigrants que peut-être je pourrais aller chercher des solutions en allant écouter ces personnes-là. Oui. C'est mon... Moi aussi, je crois qu'on approche un peu, on s'approche de la chose. Continuez à réfléchir. Oh, oui, justement, les défis du couple dans un contexte d'immigration. Oui, ben, c'est ça. La professeure de français vient de parler. Redis-le, s'il te plaît. Bon, moi, j'ai retenu, j'ai bonne mémoire. Tu as dit les défis du couple dans un contexte d'immigration. Redis très doucement, dit, moi. Pour que toi, tu puisses assimiler les défis du couple dans un contexte d'immigration. Là, madame, c'est pas bien. Amenez-moi ce papier là. Il faut regarder les mains seulement. Il faut regarder les mains seulement. Quand c'est vide là, il n'y a rien. La lapine. Attendez. Il demande qui est célibataire. C'est les femmes, celle-là. Non, regarde celle-là. Il faut regarder les mains. Il faut regarder les mains. La lapine devant derrière. Elle est devant les côtés. Elle est devant sa balance. Tu as tout compris ça. Le coup là, c'est ça. Ça va dans. Le confond l'eau. Ah, tu as le temps sans dire. Hein? Bien, le cadeau. Gentil, tu m'as dit qu'elle est malade. Malade, demande ce qu'elle est malade.
tu as la bonne maladie. Ah, j'ai tout compris. Et puis elle jure, elle dit elle dernier. En forme. Ouais, comment ça a été? Tu vois, non. N'est-ce pas? C'est bien. Kenzo Cash Money. Si tu penses que tu es le seul garçon, mon ami derrière garçon, y'a garçon. Si toi tu penses qu'il n'y a pas l'homme pour toi, faut te calmer. Derrière village, y'a village. Prince chéri, tu penses qu'en la laissant tomber, elle va courir derrière toi. Mon frère, tu as joué l'idée. Parce que la femme, même si elle n'est pas diplômée en beauté, en matière de garçon seulement, elle peut pas chômer. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ton champ peut devenir ses bientôt. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ton champ peut devenir ses bientôt. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Boucalé boss, c'est la bénédiction. Aïe 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 aïe. Elle t'a donné tout son amour. Maintenant que toi tu lui donnais. La fille elle disait aux gens qu'elle t'aime. Et toi tu disais aux gens qu'elle te gêne. Capitaine Meibo, aujourd'hui qu'elle est dans une autre relation. Tu racontes partout que la gola c'est une traînée, une potelée. Les champions, faut pas gâter son nom. C'est toi qui n'es pas bon. Tu pensais qu'à part toi elle pouvait plus croiser garçon. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un part. Qui cacao. Ton champ peut devenir ses pieds. Axou de me laisser chignon. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ton champ peut devenir ses pieds. Alassane Keita, le temps. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Mon ami, quel est le souci? Lago disait que tu étais l'homme de sa vie. L'homme s'en dit au bien. Mais toi tu la prédais pour ton déquali. C'est-à-dire tu ne la voyais que pour satisfaire tes envies. Et comme elle voulait du sérieux, elle est partie. Et c'est toi qui oses dire aux gens qu'elle est comme si elle est comme ça. Mon frère, pardon, faut pas gâter son nom. C'est toi qui n'es pas bon. Tu pensais qu'à part toi, elle pouvait plus croiser garçon. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un part en haut. Ton champ peut devenir ses pieds. Marco de femme.